Bonjour à tous, nous sommes samedi 18 et nous entamons un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girls. Alors, je viens de finir l'autre vlog. Si vous voulez savoir d'où vient ma tenue, je vous laisse aller voir le précédent vlog. Aujourd'hui, il fait très chaud. J'ai tout fermé mes volets parce que j'essaie de garder la fraîcheur, même s'il n'y a pas vraiment de fraîcheur chez moi. Et je descends en ville avec Sarah. On va voir ce qu'on fait. Et ce soir, j'ai un anniversaire. Que je pensais que c'était samedi dernier, mais c'est bien ce soir. Donc voilà. On revient de nos achats en ville. J'ai fait une petite pépite. Je l'essaye comme je l'ai essayé en magasin, c'est-à-dire avec l'énorme flemme de me changer. Mais c'est une robe. Je vais la boutonner vite fait. Une robe cache-cache. Oh, faut que je rentre le ventre. J'arrive pas. Il veut pas se clipser. Bah si, j'ai déjà fait, mais... Voilà. Bon, vous avez l'ambiance. Elle est très jolie. Très belle, elle tombe bien et tout, et je trouve que c'est une couleur qui me va bien. Et elle était à 40 euros soldée, enfin soldée, c'est pas des soldes, mais c'était une vente privée soldée à 50%. Donc j'en ai profité parce que franchement elle était jolie. Et on est allé chez Normal encore une fois. J'ai pris des espèces de Mr Freeze, j'en voulais et ils étaient vraiment pas chers pour mettre au boulot. Deux gels douche Tahiti, un à la vanille et l'autre à l'eau de litchi. Ils étaient pas chers aussi. Un petit blush, enfin c'est pas un blush, c'est un bronzer W7 qui est assez clair. Et je trouve que c'est rare d'en trouver. Du chewing-gum, voilà. Un kit comme ça de fossiles magnétiques avec l'eyeliner. Je crois que vous en avez parlé, que je voulais essayer. C'était 7 euros quelque chose, donc on verra ce que ça donne. J'ai pris une grosse éponge comme ça aussi. On me dit pour des fois démaquiller des bons masques à l'argile, ça peut être bien. Ah oui, ça. On pourrait essayer ça. Oui. C'était 1 euro ces espèces de paille avec des bits de chocolat et du lait dedans. Et des petits sticks comme ça de café parce que je trouve plus mon café et du coup au boulot en ce moment j'ai pas grand chose. Donc voilà, c'était des petits achats mais c'était cool quand même. Nous sommes mercredi 22, je suis très formelle mais j'avais envie d'aller au plus simple. J'ai failli vous prendre hier, j'avais vraiment pas un bon mood. Voilà, je suis un peu saoulée du boulot. Je fais des choses qui m'intéressent pas du tout en fait. Donc voilà. Et en plus de ça, mon ordi qu'on m'a passé pour streamer fait que ça de bugger. En fait, il s'éteint, il se rallume tout seul. Mais le problème c'est qu'en fait j'ai pas de message d'erreur. Je sais pas pourquoi trop il s'éteint. On m'a dit peut-être qu'il surchauffait. Mais du coup je suis embêtée parce que j'arrive pas à streamer correctement. À chaque fois ça coupe. Hier du coup j'ai streamé, ça m'a coupé mais ça m'a pas éteint l'ordi. J'étais contente parce que j'avais deux petits habitués qui étaient là, donc ça m'a fait plaisir et ça m'a remonté un peu le moral. Et le soir j'ai rejoué avec Flora et l'ordi a replanté et nous a fait perdre notre partie qui était en cours, donc j'étais saoulée. Il faut que j'essaye de faire du stream à double PC, c'est-à-dire avoir un PC de jeu et un PC de streaming et relier les deux par un boîtier de capture, sauf que le boîtier de capture que j'ai, c'est un vieux boîtier et il est vraiment pas top. Donc voilà, donc je suis un peu saoulée de tout ça. Je suis très contente aussi qu'il fasse moins chaud parce que je vous avouais que je dormais très mal. Donc voilà, là aujourd'hui c'est les soldes, j'attends Sarah, on va aller au Sephora. Au Coronemont et Naf Naf, et après faut qu'on aille au champ faire des courses parce que j'ai encore un colis à récupérer que je vous montrerai tout à l'heure. Et j'ai fini deux petits produits. En premier j'ai fini cette c'est une mousse de douche de chez Rituals. Alors j'aime beaucoup Rituals, leur mousse de douche sent très bon mais je trouve que ça fait rien du tout. Ça genre j'ai fait 3 utilisations et il y en a déjà plus. Donc c'est pas des choses que je rachète. Et j'avais un petit Olaplex comme ça, le numéro 3.
qui était en fait c'est une miniature que j'ai eu en cadeau dans plein de choses, j'en avais deux. Le numéro 3 en fait c'est un soin à laisser poser sur cheveux humides. Il faut que vous veniez vraiment saturer vos cheveux du produit. Alors je vous avouerai que c'est pas simple parce que le produit il est quand même assez liquide, donc sur les cheveux c'est un peu galère à savoir s'ils en ont assez ou pas. Et ensuite il faut laisser vos cheveux boire le produit, et quand en fait il a bien bu, vos cheveux ils deviennent un peu secs comme ça. Enfin secs, vous savez, tout dur comme vous avez mis du gel. Et là il faut rincer, et je suis assez contente parce que les premières fois où j'ai commencé à l'utiliser, il fallait que j'attende de 20-30 bonnes minutes, et que là vraiment la dernière fois en 10-15 minutes mes cheveux ils ont déjà commencé à être secs. Donc je suis contente, c'est que ça fait son petit effet, et là maintenant j'ai le gros bidon que j'avais acheté. Donc voilà, donc je vous remonte, enfin je reviens tout à l'heure avec mes petits achats si j'en fais, parce qu'en soi je me suis dit tu vas chez Sephora mais t'as besoin de trop rien vu que j'ai eu les journées gold il y a pas très longtemps, mais on sait jamais si on trouve des petites choses sympas. Je suis de retour, je vais donc vous montrer mes achats, mais avant je suis allée du coup en course, il fallait encore une fois que je récupère un colis. Donc je vais commencer par vous montrer les courses, comme ça je vais pouvoir ranger. Je me suis pris des gâteaux apéro, des fritelles et des croustilles de Belin. C'est je pense mes gâteaux apéro préférés. Je me suis pris du saumon comme ça avec, je vous montrerai après, des panini. Je me suis repris des actimel parce que j'avais fini les miens. Des petits surimi, ça bouge pas. Des petits Nesquik comme ça, ils étaient en promo à moins 30 parce que c'est de la date courte. Des raviolis à poêler au fromage, on verra ce que ça donne, j'ai jamais goûté. Je me suis pris des kibbles goûtés comme ça, ça faisait un moment. Un gel douche à la pêche de la marque du Auchan. Des Babybel, voilà, il y a un mélange, vous savez, je sais pas combien de temps que j'en ai pas mangé. C'était à côté des piquets croques là. Les fameux panini, c'est ce que je vais manger ce soir. J'ai pris des Kinder, les chocos fraîches, parce qu'on n'arrête pas de me dire que c'est les meilleurs. J'étais en course avec une pote, elle m'a dit la même chose. Et des Kinder Bueno. Du Madame Loïc pour refaire mon espèce de truc au thon là. Du jus innocent et tout ça. Du PQ. Voilà, c'était dans le sac hein. Et il y avait des soldes, et j'ai pris, je sais pas si vous verrez, c'est la tête de Olaf, c'est une déco de Noël qui était à moins 50%. Et ça c'est mon colis que je suis allée chercher, je vais juste ranger le frais tout de suite. Mon colis vient du site Anilia, c'est surtout une tiktokeuse qui vend des produits un peu éco-responsables. Ça fait un moment que je la suis et que je voulais recommander. Et là j'en ai profité pour commander un de ces savons. Oh vache, c'est gros ça. Un de ces savons pour le visage, parce que bah, j'ai fini le mien et je voulais repartir sur un savon. C'est celui-ci, c'est lait de chèvre et avocat. Ils sont très bons. Et voilà, elle a beaucoup de bon avis dessus. Et j'ai pris un cahier de recettes, parce que moi j'ai les recettes qui sont accrochées sur mon frigo. Sauf que le problème c'est qu'elles se décolorent. Donc j'ai vu qu'elle faisait des cahiers de recettes, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si grand. Et ce qui est pratique, c'est qu'en fait c'est déjà tout prêt. Vous avez juste à remplir après avec les ingrédients et tout ça. Voilà, ce que je trouve vraiment top. Donc j'ai payé je crois 3-4 euros le savon et une petite quinzaine d'euros le cahier. Ensuite au niveau de mes achats, j'ai acheté des pop à la Cité Magique à Oudemont parce qu'ils étaient à 10 euros le 15 euros. Donc il y a Cendrillon et Blanche-Neige qui vont avec la pop Pocahontas que j'avais et que je surkiffe. En fait elles ont des, je sais pas si vous verrez, elles ont des petits décors autour d'elles. Enfin bref, je les trouve trop belles. Donc je les ai prises. Chez Undie j'ai pris une culotte Marie, voilà, qui était à moins 50. Et chez Sephora j'en ai pour 120 euros. J'aurais pas pensé. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un bout de ruban, à mon avis ça a dû tomber. Bref. Marque hors Sephora.
J'ai pris le fond de teint Nars, le Super Glow Fondation illuminateur transparent qui était à moins 50%. Je l'ai eu, allez, à 25€ au lieu de 50. Je l'avais swatché sur ma main juste ici. Il est très, très couvrant. Donc on verra ce que ça donne. De chez Charlotte Tilbury, c'est le Liquid Concealer, mais que je vais plutôt utiliser en contour. Parce que de toute façon, il n'y avait pas de teinte claire. Il se présente comme ceci. Peut-être que vous avez déjà vu les fils utilisés. C'est, vous savez, un espèce d'embout mousse comme ça. Voilà, je me suis dit, voilà, tout le monde l'utilise. Il était du coup à moins 30. Je l'ai payé 21€ au lieu de 30€. Et toujours de la marque Charlotte Tilbury, j'ai pris un rouge à lèvres. Alors, j'ai surtout pris pour le packaging, j'avoue. Il était à 25€ au lieu de 36€. C'est la teinte JK Magic. Comment il s'ouvre ? Ah, il se pousse. Oh, waouh! Et en fait, c'est un tube avec des étoiles et des lunes. Voilà. Hein. M'en faut pas plus. Et c'est une couleur comme ceci. Une couleur très nude, mais bon. Voilà, j'ai flashé sur le packaging. J'adore les produits Charlotte Tilbury. Donc, c'était, on va dire, mon petit plaisir. Ensuite, de chez Sephora, j'ai pris le spray fixateur de maquillage. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Je l'ai payé 10,50€ au lieu de 15€. Il y avait moins 30. Il y avait moins 30 sur... C'est un fluide hydratant lissant. Il était à 10,50€ au lieu de 15€. Voilà, c'est leur gamme. À l'acide hyaluronique, voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Et j'ai pris le sérum ciblage tache. Ça, je crois qu'il y avait moins 30. Donc là, je n'ai pas les prix. Et un pinceau qui est un genre de pinceau, eux ils disent anti-cerne, mais il fait un peu pinceau estompeur, je sais pas encore trop comment je vais l'utiliser, est-ce que je peux... Voilà, c'est un espèce de gros pinceau comme ceci, j'en avais pas vraiment, et voilà, ça valait le coup, il y avait pas mal de pinceaux à fond de teint, mais moi ça m'intéresse pas. Et voilà pour mes petits achats, c'est déjà pas mal, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait les achats Sephora et qu'est-ce que vous avez acheté. Hello, on est vendredi, merde, j'ai oublié, 24 juin et je voulais vous partager une petite recette que j'aime bien faire qui est très simple et très pratique. C'est des panini maison en fait tout simplement. J'ai cet appareil là de chez Tefal, c'est Snack Collection et ce qui est cool en fait c'est que vous pouvez acheter les plaques. Donc moi là j'en ai des plaques à panini et vous avez, je sais pas comment vous voyez, vous avez tout ça en plaques. Et du coup il est vraiment pratique, donc là j'ai mis des plaques à panini. Après si vous n'avez pas ce genre d'appareil, vous pouvez très bien prendre, vous savez, les poêles spéciales gris, ça fera la même chose. Donc là je vais l'allumer pour commencer à le chauffer. Et du coup je vais en faire à la truite. Je regarde tout ce que vous voyez. Du coup j'ai acheté les pains à panini comme ça de chez Auchan. Hop. Au niveau poisson, bah, j'ai pris de la truite parce que c'est moins cher que le saumon, de la soja liquide, de la nette et du citron. Je vais juste prendre hop, un couteau parce qu'il me semblait qu'avant ils étaient coupés, mais en ce moment je trouve qu'ils sont, enfin ceux-là ils n'ont pas l'air d'être coupés, donc il faut que je les coupe. Et c'est pratique parce qu'en fait vous pouvez en faire à ce que vous voulez. Un coup j'en avais fait avec de la viande hachée. Vous pouvez en faire au Nutella aussi si vous en voulez plutôt des sucrés. Et du coup c'est rapide. Je regarde. Donc je viens mettre ma crème soja au purée. Hop, je la répartis. J'en ai mis un peu trop ici. C'est pas grave. Je viens prendre mon jus de citron, hop, mon aneth. Après c'est vous qui voyez au niveau quantité. Hein. Oh merde. Hein. Hop, et ensuite je vais prendre mes tranches de truite. Elles sont assez épaisses celles-ci. Bon voilà, ça suffit, comme ça j'en ai encore pour faire. Et ensuite bah, j'attends que mon appareil soit chaud. Je le mets dans le grill. Et voilà, ça m'aura pris 5 minutes.
Et voilà ce que ça donne. Je vais me brûler. Un bon panini bien chaud et qui sera bien bon. Je suis en train de faire un TikTok où je teste, vous savez, les fossiles magnétiques. J'en ai posé un. Je vais poser l'autre avec vous. Franchement, ça s'est fait tout seul. Je vais vous montrer. Je prends du coup le liner magnétique. Je viens d'appliquer. Donc j'ai déjà fait mon maquillage comme d'hab. Je reviens également au niveau du coin interne. Par contre, le produit il sent fort. Je prends, tac, le fossile. Non, non, il se magnétise. Et est-ce que vous allez bien voir ? Je sais pas trop. Oh, si vous. Bon, ça se voit quand même, mais je sais pas si vous verrez au niveau du coin interne, il revient trop. Je pense que je vais essayer de les couper. Et je les trouve beaucoup trop longs. Est-ce que vous verrez peut-être de profil ? Je les trouve beaucoup trop longs pour du naturel en fait. Bon, je suis dès que j'ai mal filmé les parties de mon TikTok, donc il faudra que je le refasse. Je voulais vous parler de deux petits produits là. Là tout à l'heure j'ai mis ce fond de teint. C'est le Forever Dior dans la teinte 2N. Et je le trouve vraiment bien, il est très léger, il camoufle juste ce qu'il faut. Donc je vais le garder de côté pour au cas où si je le trouve un coup d'occasion, en solde ou quoi. Et j'ai testé le concealer que j'ai pris là de chez Charlotte Tilbury, mais pour l'utiliser en... Je vais y arriver. En contouring. Alors, j'ai dû beaucoup, je sais pas si vous verrez, beaucoup le tourner pour que le produit finisse par sortir. J'espère juste ça. Ouais, voilà. Et c'est sorti bizarrement. Je sais pas si vous verrez. C'est vraiment sorti bizarrement du produit. J'en ai mis. Il en faut vraiment pas beaucoup. Oh, il est dégueulasse du coup. Il en faut vraiment pas beaucoup. Et j'aime beaucoup le rendu. Bon, là après, je me suis remaquillée autour par au-dessus. Mais top. Franchement. Alors, par contre, à acheter en solde parce que plein pot, je trouve que non. Mais là, en solde, franchement, c'était pas mal du tout. Donc voilà pour le vlog de cette semaine, je vais m'arrêter là, j'en recommencerai un autre du coup demain. N'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets, des choses que vous voulez voir ou quoi. Enfin voilà, franchement n'hésitez pas, moi je m'adapte. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Little bit of it.